Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. En septembre 2020, Michel Drucker disparaît des antennes de France Télévisions. Celui qui a la réputation d'être immortel, grand amateur de petites reines et dont on imagine qu'il a une santé de fer, doit subir une opération du cœur. Pour les fidèles de son émission, le choc est rude. Mais après quelques mois d'absence, en 2023, nouvelle alerte, il doit repasser sur la table d'opération. C'est le mardi 22 août que l'animateur a retrouvé son canapé rouge afin d'enregistrer cette première émission de la rentrée. Un enregistrement qui, selon lui, s'est très bien passé. Un confrère du Parisien a assisté à l'enregistrement de sa dream team d'humoriste. Il raconte dans le Parisien ce 27 août les passes d'armes entre l'animateur et les spectateurs. On s'inquiète pour Michel. Venu pour faire un selfie avec l'animateur, Annie, 76 ans, a déjà assisté à l'enregistrement à plus de 20 ans. Quand on aime, on ne compte pas. Mais là, j'ai trouvé Michel Drucker très fatigué. Il a du mal à marcher. Il n'a pas un bon teint. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la commenter.